Eh bien salut à tous, c'est MetalGaming31, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vite Grenier Live. Donc désolé si j'ai la tête pas très présentable, mais c'est parce qu'il fait vraiment chaud, j'ai pas le moyen de clim ni rien. Je pourrais mettre un ventilateur, mais malheureusement, au micro ça vous fera un bruit horrible, donc désolé pour ma tête. En tout cas, je vous laisse sur ces images juste après le jingle. Bonjour. Bonjour. À combien le moteur? Michel, mon mari, parce que il a combien le moteur par curiosité? Comment? Le moteur. 50 euros. Ok. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il se montre surtout les motoculteurs. Hein. C'est ouais. Un truc de motoculteurs. Je vois. Ok. Bonjour. Combien sont les jeux vidéo? 2 euros et celui-là 50 centimes. Ok. Et les cartes téléphoniques, elles sont à combien? Cartes téléphoniques, si vous voulez le lot. Oh non, j'en cherche quelques-unes en particulier, mais oh, je sais pas, à la pièce. 10 centimes la carte. D'accord. Si je vous prends plusieurs trucs, on peut faire un lot. Ah oui. Ouais. Et lui là? Non, lui, il n'y a pas le jeu. Ah, il n'y a pas le jeu. Que la boîte et la notice là. Que la boîte et la notice, ok. Non, j'ai pas vu. Le petit porte-clé, il est à combien? Ça, je vous fais 1 euro. Ah, c'est pas le bon jeu là-dedans, tiens. Ah, si, il y a les deux là. Ah, oui, d'accord, oui, c'est un bundle, oui. Autant pour moi. Autant pour moi. Ouf, ils sont réveillés celui-là. Et la tasse, elle a combien? Ça, je fais 1 euro aussi. 1 euro? Ok. Tout ça, vous me ferez combien? À 4 euros, ça. 4 euros, allez. Hop. Tenez. Merci à vous aussi. Bonjour. C'est un moteur de quoi? De? Attendez, excusez-moi, j'ai pas entendu. Un moteur de caddie. De caddie? Oui. C'est-à-dire? Mobilette motorécane. Hein. D'accord. Et vous le faites à combien? 120, ok. Ouais, ça se voit, il est propre. Ok. Merci, passez une bonne journée. Bonjour. Vous êtes mis au soleil aujourd'hui. Oui, mais le soleil, il faut le bon point. Bonjour. Vous la faites à combien? 5 euros. Ça marche bien en plus. Ouais. Ça fait plusieurs couleurs. Bah, je vous la prends. Elle fonctionne, on essaye. Ah, ok. Je vous crois. Tenez. Hop. Je sais pas si vous avez la monnaie. Si, si, m'a rendu. Ah. Monsieur, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Qu'est-ce que c'est? Non, je regarde. Le papier peint pour faire des découpes de papier. D'accord. Ok, je me pose la question de ce que c'était justement. Oui, mais bien sûr, c'est voilà. Normal. Hein, ok. Vous l'avez écrit là, découpeur électrique. Ouais, ouais, découpeur électrique. Ok. Merci. Ouais. J'en ai. 50 euros. Ah ouais. Non, je vais regarder la cote. C'est 120, 130. Ah bon? Oui. Merci, monsieur.
Bonjour. Bonjour monsieur. C'est à vous ? Oui. Ah, vous faites ça à combien ? Ils sont à deux. Deux, ok. Vous avez autre chose dans le jeu vidéo ? Non, c'est le seul, okay. Je crois. D'accord. Merci, passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Vous faites à combien les taux ? Les taux ? Ouais. 70. D'accord, oh, ok. Bon, de retour de ce vide-grenier, malheureusement, je m'y attendais, j'ai pas trouvé grand-chose, surtout que bah il y avait pas grand monde. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs sympas, genre, et j'ai quand même trouvé un achat coup de cœur, donc ça, pour moi, c'est un bon vide-grenier. Donc nous allons commencer par ce petit lot, payé 4€, voilà, donc pour commencer, on va commencer parce qu'il n'est pas forcément du jeu vidéo, cette petite tasse Simpson avec un style un peu rock, voilà, donc elle était propre, voilà, donc je l'ai eu, elle est de 2011, voilà, Simpson, pour ceux qui se posent la question, donc assez cool. Ensuite, il y a ce petit lot de jeux vidéo, donc le mec, je sais plus combien j'ai, en tout cas, je sais que j'ai eu le tout pour 4€. Et le truc, c'est que de base, je voulais un autre jeu vidéo, mais on a mal vu dans le live, mais c'était extrêmement rayé les deux CD, donc j'ai décidé de ne pas le prendre. C'était des belles rayures bien circulaires, pas rattrapables, donc je ne l'ai pas pris. Alors, on va commencer pour 50 centimes. Je l'ai rajouté dans le lot, ce petit Dr. Kawashima, ou ça servira pour la jaquette, ou je sais pas. Voilà, bah, il n'y a pas la notice, peut-être pour échanger. Après, qui sait que ça intéresse d'échanger ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, deux jeux, un que j'avais déjà, ce petit Project Gotham, voilà, donc pareil, il manque la notice, mais le CD est en parfait état, donc pour jouer, ça sera pas mal. Fabriqué en Irlande, tiens, c'est la première fois que je vois ça, je ne connaissais pas fabriqué en Irlande, mais voilà. Et ensuite, en assez bon état, mais par contre, je ne connaissais pas, Cameo Element of Power, voilà, Cameo Element of Power, comme ça, je ne connaissais pas. Lui il est complet, il est en très bon état, c'est pour ça que j'ai pris. Alors est-ce que c'est un jeu rare, est-ce que c'est un jeu nul, est-ce que c'est un jeu bien? S'il y en a qui l'ont fait, j'aimerais bien vos avis en commentaire. Et malheureusement on est déjà sur le dernier, comment dire, le dernier objet de cette vidéo, mais c'est pour moi c'est un objet coup de cœur. C'est cette petite boule plasma que j'ai acheté 5€, j'ai pas négocié parce que voilà, j'ai pas envie de négocier ça. Et je vais vous montrer de suite qu'elle fonctionne, voilà, je l'ai branché, j'ai tout setup. Donc je sais pas si vous allez voir, je cherche pas trop à l'approcher du téléphone, je sais pas si c'est bon. En gros on met son doigt et ça fait un petit arc électrique, voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, en fait c'est un globe en verre hermétique avec un gaz dedans, je sais plus ce que c'est comme gaz. Et en fait c'est... comment dire, bah, c'est le gaz qui fait que l'électricité a cette couleur là, s'appelle un globe plasma, voilà, avec l'arc plasma. Voilà, donc petit achat payé 5€ seulement. J'espère que ce vide-grenier vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. C'était VintageGaming31, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de me soutenir. Eh bien, salut à tous, c'est VintageGaming31 et j'espère... Pour...